Vierge et ascendant Vierge, bonjour Voici votre horoscope pour ce mois d'août qui commence avec le soleil en Lyon, évidemment, donc dans votre secteur 12. Mais c'est la même chose tous les ans, donc ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Peut-être que vous avez simplement besoin de vous détendre, de, de ne plus vous occuper des détails qui vous occupent la tête en permanence le reste de l'année. Euh, et que, bon... Vous occuper de vous, être un peu plus égoïste, euh, ne vous ferait aucun mal, amis Vierge. En plus de ça, vous êtes tellement travailleur, vous donnez tellement à votre métier, hein, quel qu'il soit, que vous méritez quand même euh, ces, ces vacances, vous y avez droit, non seulement vous y avez droit, mais en plus de ça... Je vous demande de bien vouloir vous reposer, hein, surtout si vous êtes euh, de ceux qui reçoivent l'opposition de Saturne, c'est-à-dire le, les natifs du, du mois d'août, hein, parce que <laughs> cette opposition de Saturne, elle a dû vous fatiguer quand même. Hein, donc, euh, bon, hein, mon conseil, on se détend et on essaye de se vider la tête surtout parce qu'elle va se remplir de nouveau à partir du 23, euh, où on pourra vous souhaiter votre anniversaire, en tout cas si vous êtes du premier des camps, avec évidemment l'opposition du Soleil à Saturne, et qui va euh, vous obliger à penser à des, à des responsabilités, à tout ce que vous avez euh, sur le dos, hein, et ne vous étonnez pas si vous avez mal dans le dos. Ce sera vraiment hein, une transcription euh, de tout ce que vous avez sur le dos euh, dans, la, dans la journée et euh, probablement dans votre travail. côté activité, Mars est dans votre signe. Alors faites attention, hein, parce qu'avec Mars souvent on est un petit peu impulsif, euh, on, on risque de se faire mal, euh, parce que on va trop vite, on veut... Euh, hein, euh, on se précipite, euh, euh, on, on essaye de de faire des choses et on les fait mal, on se coupe, on se brûle. Bon, soyez simplement attentifs, hein, c'est dans vos cordes. Le, le, la Vierge a tendance à beaucoup se surveiller, donc, euh, bon, surveillez-vous un petit peu plus avec ce... Bon, ça ne va pas durer euh, éternellement. Hein Alors, il euh, y a un problème c'est qu'entre le 8 et le 25, Mars va être opposé à Neptune, et si vous êtes euh, du troisième décor, ça va être un peu, euh, un peu compliqué. Disons que vous serez dans, dans une euh, situation qui, ne sera, qui sera embrouillée automatiquement. Bon, à moins que vous ne subissiez des déluges de pluie n'est pas impossible mais ça vous gâchera vos vacances hein, pour certains euh, autrement il se peut que quelqu'un vous mette euh, hein, ou votre partenaire hein, ça peut être lui ou elle vous mette dans une situation que vous ne parvenez pas à contrôler soit parce que euh, il ou elle est trop dépendant de vous dépendant d'un produit euh, et bon vous êtes là vous essayez de soigner, d'aider, de, d'apporter euh, votre contribution et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas vous à être le ou la thérapeute. Côté cœur, donc Vénus est en, en Lyon, donc dans votre secteur 12 aussi. Euh, elle y est hein, depuis le mois de juin. Donc euh, elle rétrograde du deuxième au enfin du troisième plutôt au deuxième décan et ce faisant eh bien elle est la première quinzaine du mois hein, en dissonance avec Uranus donc il est très possible que ce que vous espériez ce que vous attendiez ne se passe pas tout à fait comme prévu alors euh, deux, il y a deux cas de figure hein, si vous êtes en couple Peut-être qu'il y aura quelques petites tensions, mais vous ne montrerez pas ce que vous ressentez, étant donné que Vénus est en 12, euh, vous aurez tendance à le garder pour vous, et donc ça euh, provoquera de la nervosité obligatoirement. Hein. Alors, soit c'est euh, votre partenaire, représenté par Vénus, euh, qui aura des problèmes, hein, on l'a vu avec l'opposition Mars-Neptune. Donc et, et que avec une Vénus en Douze, euh, bah vous aurez envie de l'aider, de, de le soutenir euh, ou là, hein, ça dépend, euh, soutenir, euh, soigner, euh, euh, voyez tout, tout, tout ce côté généreux, euh, oblatif. Euh, compassionnel de la Vénus en 12. Je ne pense pas que ça vous aidera euh, vraiment à vous détendre, hein, euh, euh, dans la mesure où, justement, avec sa dissonance, euh, avec la dissonance d'Uranus, ben, c'est très nerveux comme, euh, comme ambiance. Hein, on n'est pas vraiment dans la détente. Le 8, le 14, le 22 et le 27 seront les meilleures journées de ce, de ce mois d'août. Euh, bon, euh, il faudra en profiter hein, parce que bon, vous pourrez. Ce sont des journées où vous pourrez euh, peut-être un petit peu lâcher prise hein, et, et ne pas vous prendre la tête. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez et puis bon, n'oubliez pas. Nos rendez-vous du mardi soir, euh, non, il n'y en a pas au mois d'août. Le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie, nos réseaux sociaux pour des petits posts quotidiens et les consultations. Oui, on continue à en donner au mois d'août, Zoé et moi. Je vous souhaite un très bon mois.